Annie au talon d'or. Dans la salle en rumeur, un silence a passé. Panier au talon d'or s'avance pour danser. Un voile aux mille plis la cage tout entière. De l'entrée d'argent, la flûte la première l'invite. Elle s'élance, entrecroise ses pas. Et, du lent mouvement imprimé par ses bras, donne un rythme bizarre à l'étoffe nombreuse. Qui s'élargit, ondule, se gonfle et se creuse, et se déploie enfin en large tourbillon. Épanouie devient fleur, flamme, papillon. Tous se taisent, les yeux la suivent en extase. Peu à peu la fureur de la danse l'embrase. Elle tourne toujours, vite, plus vite encore. La flamme éperdument vacille au flambeau d'or. Puis, brusque, elle s'arrête au milieu de la salle, et le voile qui tourne autour d'elle en spirale, suspendu dans sa course, apaise ses longs plis, et, se collant au sein aigu, au flanc poli, comme au travers d'une eau soyeuse et continue, dans un divin éclair, montre Panhir nu.